C'est comment, Kamé? Ça va de votre côté? Voilà. Bon, je tiens d'abord, je salue d'abord tous les Waboy et les Wagal de partout dans le monde entier, et en fonction du temps qu'il fait chez vous. Donc, chacun reçoit le salut. Donc, c'est Derek depuis l'Italie. Bon, si aujourd'hui je viens pour faire une vidéo, c'est juste pour parler quoi, pour parler un peu. Comme le terrain, ces derniers temps est un peu très 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 mouvementé. J'ai dit moi aussi, il faudrait que je sorte un peu aussi pour dire ce que je pense quoi. C'est le terrain, chacun dit ce qu'il pense. Donc, mais avant de commencer, je tiens d'abord à remercier tous les membres du Parlement. Je vois, il y a beaucoup de nouveaux là parce que la vitesse des membres est en train d'aller très 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 vite. Donc, il y a beaucoup de nouveaux. Je tiens aussi à remercier le Big Katika pour tout le travail qu'il a là-bas parce que c'est pas facile. Ça devient compliqué quoi, de gérer. Donc, je te tire mon chapeau et puis beaucoup de courage. Bon, aujourd'hui, tout récemment, il y a eu la vidéo de bon, ça m'a beaucoup interpellé quand même, parce que il y a la vidéo de Vicky qui a créé tout un buzz sur la plateforme là. Ça a créé tout un buzz. Les gens se sont fâchés, les gens ont dit beaucoup de choses, il y avait beaucoup de clash déjà. Et moi j'ai beaucoup apprécié en fait la vidéo de Papa Claude, ouais, parce que en fait c'était pour moi une vidéo de recadrage propre. Et c'est vrai, les gens sont pleins du genre, il n'a pas été très poli, respectueux, tout ça, mais moi je ne trouve pas d'inconvénient parce que c'est une vidéo de recadrage propre à l'africaine quoi, à l'africaine quoi. C'est le doyen. Donc il faut un peu essayer de remettre les gens sur le droit chemin. C'est vrai que tout le monde peut pas être d'accord, mais bon, l'essentiel c'est de comprendre le but, l'importance de la vidéo quoi. Bon, je voulais revenir justement par rapport au sujet de bac au Cameroun, tout ça. J'ai écouté, j'ai lu beaucoup de commentaires, beaucoup de vidéos. Et je me pose bien la question, je me pose tout un tas de questions en fait, parce que j'ai vu des vidéos riposte quand Papa Canada, Papa Claude, autant pour moi, soutient le fait qu'on doit finir d'étudier et rentrer. Je vois beaucoup de jeunes là qui lui demande à lui de rentrer d'abord. Pourquoi est-ce qu'il doit rester là et puis de demander aux autres de rentrer? Moi, je trouve ça un peu, comment je vais dire, pas juste parce que faut comprendre que beaucoup de choses ont changé. Lui, c'est pas de notre génération. Hein. La génération, c'était avec. Ils ont fait leur génération. Ça veut dire qu'ils avaient leur capacité, en fait ils ont étudié tout ce ils ont étudié les capacités qui étaient à leur époque, et puis il n'y avait pas les mêmes enjeux, il n'y avait pas la, comment je veux dire, il n'y avait pas la même envie de faire certaines choses. C'était vraiment différent. Donc on peut pas mettre les deux générations sur la balance maintenant. L'essentiel même n'est pas de pour moi de je sais que beaucoup de gens, on n'est pas tous dans les on n'est pas tous dans les mêmes situations, on n'a pas le même statut. Chacun est venu à sa façon, chacun fonctionne ici à sa façon. C'est vrai, c'est pas facile. Mais rejeter l'idée de pouvoir retourner au Cameroun, c'est ce que je conçois pas en fait. C'est que si on ne demande pas aux gens de rentrer de force, mais moi j'aimerais quand même que l'idée de rentrer au pays soit une idée ça doit être une idée soutenue. Parce que les gens se sentent un peu touchés quand on dit de rentrer au pays. Les gens sortent avec des commentaires qui n'ont pas trop leur place. Je me dis que chacun devait prendre ça comme, comment je vais dire, comme ça devait nous habiter. L'idée de rentrer au Cameroun devait nous habiter parce que
C'est, après tout, c'est là que ça se vit, hein, c'est là que ça se passe. Et vu les tendances actuelles, vraiment, c'est tout jeune actuellement, tout jeune. Beaucoup plus les étudiants et en fait beaucoup plus les étudiants et ceux qui font aussi autre chose quoi. L'idée en fait devait nous habiter, on devait vivre avec cette idée là. On ne demande pas de rentrer maintenant, mais au moins déjà avoir l'idée qu'on va rentrer au pays, c'est y a beaucoup de choses. Ça te pousse à faire les choses d'une certaine façon et voir les choses d'une certaine façon aussi, de réfléchir aussi d'une certaine façon, selon moi. Donc moi j'ai remarqué que les gens ne sont pas trop pour. Parce que quand papa Claude fait ses vidéos où il est beaucoup plus accentué sur le fait que les jeunes doivent penser à rentrer au pays, j'ai remarqué que les gens ne sont pas trop pour. Ouais. Il y a beaucoup de gars qui sortent des mots et pour beaucoup disent aussi beaucoup demandent de rentrer d'abord. Et donc moi je trouve ça un peu ça ne tient pas, ça ne sont pas des mots qui tiennent ça. Et quand on cherche de rentrer, on cherche de mettre des idées pour motiver les gens qui veulent rentrer ou bien qui ont envie de rentrer. J'ai un peu mal quand je vois des gens faire des vidéos et ils parlent plutôt du système qui n'est pas bon au pays. Donc c'est comme une excuse. Donc, moi, j'ai comme l'impression que cela s'excuse du fait qu'on doit revenir caler ici. On devrait plutôt chercher tous les atouts, tous les éléments nécessaires. On devrait chercher tous les éléments nécessaires qui vont nous booster à pouvoir revenir, à pouvoir rentrer au pays. Parce que quand je vois quelqu'un se lever, faire une vidéo et puis il va parler comment le système au pays c'est monté, c'est descendu, c'est mauvais, machin, truc. Moi, pour moi, c'est pas une vidéo constructive, ça. C'est une vidéo même qui, à la limite, même décourage même ceux qui ont envie d'aller. Il faudrait quand même qu'on puisse reconnaître ce qui est bien pour nous, même si on ne peut pas le faire. C'est ça la nuance, en fait. Parce que quand les gens ont toujours tendance à vouloir, qu'on comprenne ce que la masse fait. C'est pas ça. La masse peut faire quelque chose, mais tout le monde sait qu'on le fait parce que bon, on cherche à jouer les deux bouts. Mais il faudrait qu'on puisse quand même déjà reconnaître ce qui est bien pour nous et l'accepter, même si on ne peut pas le faire. C'est là où je voulais en venir parce que ce qui est clair, ce qui est bien pour nous, l'idéal pour nous, c'est de rentrer au pays, investir, faire quoi que ce soit, avoir des projets, beaucoup de choses. C'est ça l'idéal pour nous. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Ou bien que tout le monde peut le faire. Mais au moins, il faudrait reconnaître que c'est ce qui serait bien pour nous. C'est ce qui serait l'idéal. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens ne sont pas trop pour. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Quoi. Ceux qui... Parce que sur la page aussi, je note que les gars sont trop forts quand ils savent des sujets Mbinda. Quand c'est Mbinda, vraiment, les gars sont dehors. C'est vrai, tout le monde aime s'enjailler, lire les commentaires. Parce que quand on parle d'un sujet Mbinda, tu vas avoir 200 commentaires. Ça va faire rire, ça te fait passer un peu de temps, de déstressage, ça te fait rire. Tout ça, mais il ne faudrait pas qu'on perde l'honneur sur la page. Parce que je me suis rendu compte que les gens sont, quand on met un sujet Mbinda, un titre de Mbinda, même ces 4 pages, les gars vont lire. Quand même, un sujet Mbinda, dès qu'on a écrit Mbinda, je suis enceinte de tel, dessus, je suis monté, descendu. Dès qu'on voit la Mbinda dedans, même ces 4 pages, les gars vont lire. Ils vont prendre la peine de tout lire d'abord, ils vont commenter, tout ça. Mais si on met ça en sage, les gars, si on voit c'était un peu, là, les gars vont dire. Ah. Donc, à la fin, c'est comme si l'auteur, c'est maintenant l'auteur à terre de la Mbinda. Non, c'est pas ça. Donc, il faudrait pas qu'on perde de nom. Selon moi, hein. je dis pas que je sais pas trop. C'est un point de vue, c'est juste un point de vue quoi. Donc, ceux qui m'ont envoyé un Mboma là, je veux pas faire du mal à vos Mboma, mais je vais seulement gâter les dents de vos Mboma. Voilà. Donc, terminé. Parce que j'ai plus le piment congolais et puis. Je connais Aïe. Il faut qu'on change un plateau un peu. Je vais gâter dans de bons moments. Et
Je pense qu'ils vont être. Ils vont plus pouvoir mordre. Moi, je veux aussi attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'on doit être actif en tous les sujets. Sinon, on va commencer à se perdre. Si on est actif seulement quand il s'agit d'un binda, c'est pas bon. On doit privilégier tous les sujets qui passent au-dessus. Il n'y a pas un sujet où on doit mettre en exergue et un autre sujet où on doit balancer comme ça au champ. Ou bien, je ne sais pas trop quoi. Les sujets même les plus importants, c'est ce qui passe inaperçu, mais les sujets du genre binda et consorts, un binda important, c'est vrai, mais bon, il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir trop de déphasage, de déséquilibre entre les sujets. Quoi. Tout sujet doit être pris au sérieux pour que la page puisse fonctionner réellement et pour que chacun puisse trouver son compte. Parce que si quelqu'un a une page, c'est pas tout le monde qui aime parler sur un binda, mais si tu as une page et puis on dit binda, binda, binda chaque jour, et après tu vas te sentir que tu n'es pas dans le peloton quoi. Donc moi je voulais juste que tous les sujets soient pris un peu au sérieux par tout le monde quoi, pas seulement les sujets binda. C'est un point de vue. Donc je vais pas être long hein. Je vais faire une vidéo très prochainement ouais, pour le science, c'est important. Je fais à tout le monde, tous les Waboy et les Wagel, un gros coucou. Je vous souhaite bien des choses et bonne continuité dans tout ce que vous faites. Et on reste connectés sur Waman TV Show. Ciao, ciao.